tel point bloquant, donc là, cette conduite avec ce béton, et ben en fait, c'est tout est inséré dedans. Ouais. J'ai le jour, la date, l'heure. Donc, je vais sur le logiciel Enedis e-plan ou par rapport à ou avec Hero Energy, le mail, hop, je prends l'aléa démolition béton et hop, je l'envoie. Okay. Et on fait le plus et le moins. C'est passé dans l'activité, les équipes se retrouvent bloquées sur les chantiers, ouais. N'avancent pas correctement, ou ils peuvent faire des erreurs, ouais. Vu qu'ils n'ont pas eu de feedback du chef de chantier. Ah ben, le chef de chantier devait se déplacer systématiquement sur le chantier pour aller vérifier la problématique et d'en faire la remontée au client si nécessaire. Ça fait perdre beaucoup de temps, hein, ça permet d'être beaucoup plus réactif, de le faire à distance. Avant Craft, c'était par mail, par texto, par tout et n'importe quoi en fait. Ok. Il n'y avait pas de cadre bien précis là-dessus. Okay. C'était chacun qui faisait un peu sa sauce dans son coin. Mais il y avait souvent des oublis, des choses comme ça. Il n'y avait pas forcément toutes les remontées de terrain à l'instant T. Qu'il pouvait y avoir de l'information qui se perdait, ou c'était gardé par certaines personnes et puis d'autres personnes en avaient besoin et puis il n'y avait pas forcément. On vient prendre la photo de la fouille pour montrer qu'il y avait vraiment du rocher. Et donc on peut traiter très rapidement et remonter la problématique au client qui va donner sa réponse rapidement et nous permettre de continuer le chantier rapidement. C'est un gain de temps, déjà c'est un gain de temps en termes d'encadrement de chantier, moins de déplacements avec les voitures, donc on va se déplacer comme sur les chantiers mais beaucoup moins fréquemment. Donc les chefs de chantier sont beaucoup plus disponibles pour faire cette préparation de chantier plutôt qu'aller sur le chantier et faire du constat a priori. Les tâches nous permettent de suivre l'évolution du chantier. Une fois qu'elles sont validées, on passe à l'étape suivante et ainsi de suite. Okay. Ça nous fait gagner du temps, ouais. Parce que des fois ça évite de faire des allers-retours pour faire une photo, donc ça fait gagner du temps, pas tout le monde. Et qu'est-ce que ça va éviter Des oublis. Sur l'instant T, on le fait et on en parle le soir, on prend la photo, on oublie de copier la photo, mais là maintenant on ne peut plus oublier de récupérer la photo par exemple. Bah concrètement, quand il y a des problèmes sur les chantiers, si tu n'as pas de traces de photos qui peuvent être prises ou d'échanges écrits, ouais. Quand le client ou la personne qui se plaint 3, 8 ou 15 jours après, ouais. C'est difficile de défendre ton point de vue à part sur de l'oral en disant bah, tu me l'as dit, oui mais non je te l'ai pas dit comme ça. Ouais. Quand il y a un écrit, au moins ça permet de figer les échanges. Le fait de pouvoir tout extraire à la fin du chantier pour faire les pour et les contre, parce que du coup nous contractuellement à la fin de nos chantiers, quand on doit descendre un peu plus profond ou quand on doit faire plus de travaux qu'il n'est prévu, en fait, ça permet justement, avec le fait d'avoir ce reporting régulier des gars, de pouvoir bien collecter toutes nos informations et du coup, après, aller récupérer les trois petits sous à droite, à gauche, qui à la fin peuvent faire un joli billet pour nos chantiers. Simple et clair. Très simple à installer, à utiliser. Facilité d'utilisation. Rapide. De la rapidité surtout. La conservation de l'information. La disponibilité, partie numérisation des données. C'est un outil qui est fédérateur. Ils aiment bien communiquer dessus.